l'intérieur de cette forêt, ils ont vu une maison faite de bonbons. Waouh! Ils avaient très faim et voulaient manger la maison. Mmh. Oh non! Que se passe-t-il? Mila, géante! Mais je ne veux pas être si grande. Allons chercher un remède pour me rendre petite à nouveau. Ouais! Salut Mila et Morphel, qu'est-ce que vous faites? Je me suis transformée en géante et maintenant nous cherchons un remède pour me rendre petite à nouveau. C'est génial! Troy le dragon va vous aider. Le dragon qui les aide? C'est un conte de fées totalement stupide. Vous savez, j'ai entendu dire qu'ils peuvent tout guérir dans ce château là-bas. Super! Alors allons là-bas! Oh non, vous n'irez pas, je suis un pirate. Et il y a une prime sur les géants. Oh non, je vais te protéger, Mila la géante. C'était beaucoup trop facile. Ce dont votre conte de fées a besoin, c'est un sorcier maléfique. Ce n'est qu'en me battant que Mila pourra redevenir petite. Oh non, le sorcier maléfique. Tu ne pourras jamais me vaincre. Nous allons voir ça. Je te le renverrai tout de suite. Ouch, ça fait mal. Je vais l'arrêter. Tu ne peux pas voler si ton ballon est percé. Oh, wow. Morphel robot, attrape sorcier. Je vais créer un portail pour que vous ne vous approchiez même pas. Quelqu'un veut un cookie? Ah, pourquoi pas? Merci! Oh, j'ai une idée! Le sorcier maléfique ne peut pas dire ce qu'il fait pour nous arrêter quand il a la bouche pleine. Quoi? Mila la géante attrape le sorcier maléfique pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Je vais l'abattre avec mon canon. Oui, et j'utiliserai mon feu. Morphel, vaisseau d'énergie. Oh.